go go Power Ranger. Go fast. Ça va devenir une habitude que Titi fasse les décomptes, ce con, sur mes épisodes, ouais. Ce bâtard. Parce que j'en ai marre d'attendre. J'ai jamais dit que c'était pas bien en même temps. C'est pas faux. Bon, salut à tous, bienvenue sur cet épisode 29 du Nuzlocke Challenge avec les trois cons habituels, quoi. Y'en manque pas? Bah non, vous trois. Oui, non, mais moi je me compte de base comme con, donc voilà. Ah, ok. Well, that escalated quickly, mec. Ok, bam, même pas de présentation. Voilà, alors, je vous explique. Avec l'épisode 28, je vais mettre le combat d'Articodin. Sauf que le combat, il a duré un quart d'heure en temps réel, donc en fait, j'ai pris le parti de pas vous le faire commenter. Et oh de... L'enculé! L'enculé! Quoi? Je voulais voir le combat épique, mais... Ah non, justement, j'ai fait un montage, pas mal, je l'ai accéléré et il dure plus que 4 ou 5 minutes, un truc comme ça. Donc je le mettrai en même temps que l'épisode 28. Pour ceux qui sont... Enfin, en fait, j'aurais dû le dire avant, mais j'avais oublié que j'avais fait ça. Pour ceux qui sont... Parce que du coup, en fait, ce que je dis, ceux ça servira à rien. Ça. Voilà, tiens, tiens, tu le proposeras en tant qu'épisode premium, parce que oui, on va avoir un compte... Non, je déconne. Y'a rien mais compris. Quoi, franchement, tu demandes des comptes payants pour PG, mais je commente même plus, hein, je te parle même plus. Bref, et donc du coup, voilà, vous pourrez le voir, enfin bref. De toute façon, c'est trop tard ce que je dis, donc ça sert à rien. Mais vous verrez le combat. Est-ce que ce truc en haut là? C'est comme des cailloux. Ah non, ok. Je croyais que c'est comme un truc dans la troisième génération. Enfin, dans la troisième. Dans les jeux officiels de la troisième génération, il y a une espèce d'élite qui apparaît, je sais pas quand, pour quelle raison. Du coup, tu sais? Oui. L'île Mirage? Oui, l'île Mirage, c'est de la merde. Comment est-ce qu'elle apparaît cette connerie? C'est aléatoire, en fonction de ta partie. God damn it. J'aime pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire que. Bah, ça dépend aussi de l'heure que t'as mis sur ton. Au tout début. Mm-hmm. Et en général, c'est... Enfin, quand je dis l'heure, enfin, je vais dire l'heure à laquelle t'as mis, va dire à un moment t'étais le jour. Va dire qu'il considère que c'est le jour, et ben ça va être un autre jour, mais qu'en considérant que c'est la nuit. Je comprends c'est... rien. Assez bizarre, de toute façon y'a rien. Y'a juste deux baies et deux ok ok de merde. Donc vous faites pas chier à y aller. Hein. En plus c'est moche. Mais je vais à ok ok. Ok. Y'a des culs butoqués, tu les fais baiser, puis voilà. Y'a un Pokémon qui est mort. Qui ça? Il y a deux Pokémon qui sont morts. Ah, mais comment tu vas faire ça? Bah, elle est où la boîte collection là? J'ai capturé un Tentacool. Voilà. c'est un slave. C'est un peu ça, c'est des Pokémon qui sont là juste pour ça. Oui, en français c'est mieux, ça s'appelle c'est esclave. Pas mal. Nice. Pas mal, franchement pas mal. Elle est où la boîte de collection? Comme il a dit. Elle est où la boîte de collection pour mettre Articodin, Elector, Sulfura? Ah tiens, j'en ai pas créé, c'est vrai. J'y ai pas pensé, ouais, t'as raison, puisque c'est des trophées, faut que je crée une boîte. Et puis si jamais par chance tu chopes des shiny aussi. Par chance, super. Jardin. Thibaut. C'est pas moi. T'as aucune preuve. Bon bah à partir de ce moment-là, va couper toutes les voix sauf celle de Thibaut et vous allez voir que c'est lui. Ah mais c'est un peu. Non, ça fait pourquoi est-ce qu'il y a de post-prod super. Ça fait trop. Une boîte à 7 c'est tellement useless. Oui, complètement. Bah c'est pour les ranger, tu les mets pas comme ça dans le français, tu vas les rayer. Et après tu pourras plus les mettre dans ton Pokémon, dans le lecteur CD de ton Pokémon pour qu'il l'apprenne. En fait, ton Pokémon il va pas prendre ça, il va être Smurf, il va s'en prendre en Shroomp. Si c'est une femelle, tu lui mets dans sa fente après. Ah, oh. Est-ce qu'il monte dans l'animé? Attends, je vais faire une recherche. Non, c'est des gens qui te l'apprennent comme ça dans l'animé, te disent « Tiens, si tu fais ça, tu peux faire cette capacité. » Et comme par magie, le Pokémon imagine dans sa tête et il fait la capacité. De toute façon, dans l'animé, il surfe sur un low class. Enfin, je veux dire, un low class, il va dans l'eau. Forcément, tu peux monter dessus pour aller quelque part dans l'eau. Moi, ça m'a toujours paru logique. Bah, dans un combat Pokémon, dans l'animé, il met son low class sur de la glace. Oui, non, mais c'est d'accord, mais... Non, mais de dire que de toute façon, c'est comme un poisson qui... T'as pas besoin qu'il apprenne surf pour nager, il le fait déjà à l'état naturel. Ah oui, c'est pour ça. Ah, ouais, dans Pokémon Origins, il parle de TM. Y'a... J'allais dire Brock. Pierre qui offre un disquette à... Rad. D'accord. Sur la face A, tu as surf. Bah, tu les as sur Origin, sûrement. Mais c'est tout. Et on le voit pas l'appliquer, par contre. Hein. C'est dégueulasse. Allez, Pikachu, égare bien. On va t'apprendre que de faire. Baisse-toi et tous. Putain, mais y a des insectes qui se battent en duel dans ma chambre, là, ça m'énerve. Adopte une araignée. Tu pensais que c'était cool? Ouais. Des insectes qui se battent en duel. Parle de ton sexe et de tes couilles. Qu'est-ce que tu fais encore ici en fait? Bon, en fait, je cherche. Je me suis dit, s'il y a un oiseau légendaire, il y en a peut-être un deuxième. Non, en fait, j'essaye de la traverser pour voir si j'ai rien oublié. Tu as oublié quelque chose? De couper, genre? Ouais. Ouais. Pourquoi? Non, mais non, je vous emmerde. Sinon. Regarde, je suis dehors là. Fous-moi la paix. Par pur hasard, je suis tombé sur une page d'épisode de Pokémon.
Et Deoxys, il apparaît dans l'anime, what the fuck? Je croyais qu'il était réservé pour le film. Ah bon, je sais même pas, je regarde pas l'anime en même temps. Je sais quoi de regarder ce tas de merde. Ouais, c'est quoi cette merde là? Oh là là, là Team Rocket, il veut me prendre encore mon Pikachu, putain, ils ont toujours pas pris depuis ces 25 saisons. Oh là lol. Bah, je suis sûr que si tu coupes tous ces moments stupides dans l'anime, et tu gardes que les combats, ça doit être assez plaisant parce que les combats de Pokémon, putain, dans l'anime, hein. Oh, quoi. Même dans les premières générations, c'est putain de... Ah non, c'est vrai, c'est... À part armure, voilà quoi. Armure. Non mais c'est vrai que sinon, les combats sont assez badass quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de phases où c'est... Enfin, il y a beaucoup d'épisodes qui servent à rien, mais genre à rien. C'est hallucinant quoi. Mais bon. Coucou monsieur dans la forêt, on va t'aider, et après on te reverra plus jamais, mais on sera quand même amis pour la vie. Patate. Non. Patate. Patate. Arrêtez c'est avec mieux, votre... truc dégueulasse là, qui est immangeable en plus. Oui, les mangeurs de patates, allez vous faire brûler. Pomme. Pomme. Qu'est-ce que je fous exactement? Ah oui, j'ai fait un fail. Une fois, deux fois, voilà. Et la troisième fois. Ah, ça sent l'orage chez moi. Ah bah si seulement chez moi, histoire qu'il pleuve un peu. Chez moi, ça sent la bite. Oh wait. Mais là, c'est pas parce que t'es nu. Mais il est tout nu. Lui, il est toujours nu. Ouais, exactement. Attends. Ouais. C'était pas fini ici? Non. Il a toujours pas battu, Val. Oh putain. Bah shit. Tu sais ce que tu peux faire dans les cas comme ça? Tu rentres dans le bâtiment et tu coupes tout le reste. Non, ou alors ce que tu fais, tu te mets le cheat pour passer à travers des murs et tu fais le genre freestyle comme t'as envie. Ah, histoire que ce soit vraiment d'ouvert pour toi. À l'époque, c'est comme ça que j'allais chercher les Pokémon légendaires, moi. Ah bah, Green. Green. Qu'est-ce qui t'a retenu, gros? Je sais pas, une arène par hasard. Ma vie. Putain, mais tu me déçois, Sylve. J'ai presque envie de me barrer à cause de ça. Oh, mais. C'est bon, détends-toi. J'espère au moins que tu vas le violer. Le violet, c'est bien pire que ça. Je sais ce que tu peux faire. Tu captures ton Mewtwo avec une Pokéball et tu lui donnes la Master Ball en tant qu'objet. Non, la Master Ball, on doit l'utiliser sur un Pokémon de la route 1. Oui. Préscience. Non, mais c'est quoi, Préscience? Préscience, en fait, ça, tu crames un tour, mais deux tours après, tu lances une attaque, mais totalement gratuite, et même si le Pokémon y meurt. Et là, ça viole son cadavre. Ah, c'est super puissant. Future Sight. C'est pas forcément super puissant, mais en fait le mec en face il s'en prend deux dans la tronche. Ça fait 120% de ton attaque spéciale. C'est très bien. Et c'est assez puissant. Surtout sur la famille de Kadabra. Moi c'est un peu ça. Enfin dans la Kazam ou dans la Bra, comme vous voulez. Fuck. Non. T'es pas un petit peu underlevel? Ouais, non. Ouais. Ouais, moi underlevel, bah non, justement je suis over. Non, mon seul Pokémon que j'utilise dans cette génération, il est déjà niveau 80. Si c'est le seul, c'est normal. Tiens, Sylve. Moi, la technique que j'utilise, c'est... Tu prends ça à la mèche, tu fais évoluer, et tu utilises que des revives. Ouais. Tiens, Sylve, comme tu as fait la 2G il y a pas longtemps... Ah, il y a pas longtemps, c'est relatif, mais ouais. Est-ce que tu as adoré la championne de type normal? Oh putain, comment elle m'a gonflé, celle-là. Bah oui, surtout que je suis arrivé avec des Pokémon Spectre. C'est considéré une championne normale dans la 2G? Ouais, ouais, avec un putain de décrémeux évolué. Ah oui. C'est considéré comme la championne la plus puissante. Je suis d'accord. En termes de là où t'arrives à ton niveau, ça a l'air c'est la plus puissante. La première fois que j'avais fait, niveau 30, il était bien quoi. Tiflosion niveau 30. Ouais. Je sais pas comment t'as fait. Non. Pardon, le mec qui va avant Tiflosion. Furizon. Comment il s'appelle? Furizon. Bon. Coulava en anglais. Je sais. Mais les autres ils savent pas quoi. Et en fait, je vis très bien sans connaître les noms en anglais. Et le deuxième. Dresseur le plus... Enfin, le deuxième champion comme étant considéré les plus chiants, c'est le duo dans la 3G, les deux sœurs jumelles. C'est... Ils ont des Pokémon Roll, je te dis, bah attends, je vais y aller avec un O. Tu fais surf, t'as l'impression, t'as fait charge. Pourquoi? Celle qui en c'est les Rock et ceux la Rock? Oui. Ah ouais? Moi, une fois, je les avais violés. Bah, ils sont considérés comme les deuxièmes plus durs parce qu'ils ont quasiment que des trucs avec de la défense et c'est long. Alors que t'arrives dans n'importe quelle arène, tu poses tes couilles et tu les défonces. Moi, celle qui m'avait posé le plus de soucis, c'était... je sais plus laquelle c'est. Celle qui a l'espèce de... l'évolution du Tilton. Altaria? Ah oui. Ouais. Alizée. Elle me violait, mais sans cesse. Ah, putain, prenez Blaziken. Okay, enfin, prenez Galifeu. Voilà, basta, vous niquez. Altaria, c'est ouais, mais à l'époque, j'avais pris le starter... celui qu'il fallait pas prendre. Plante. Ah putain, ça sert à rien, comme prendre le plante dans la deuxième génération, quoi, ça sert à rien. Non, troisième. Dans la deuxième aussi, tu prends plante, putain, t'es dans la merde, quoi. Non, ça va.
Premier gym, tu peux niquer. Non, moi je me suis bien amusé. Ok. Non, mais de toute façon, Doc, tu lui files un ratata et il te fait la ligne. Je l'ai fait, hein. Il prend des bidouf. Bidouf. Bidouf, je peux le faire, ouais. Mais ratata, j'ai déjà fait. J'ai fait 6 ratata, ils étaient tous entre niveau 10 et 15 et j'ai tué toute la ligue. What? Oh, j'ai un PV effort. Vive attaque. Oh, bah t'es mort. Oui, c'est vrai. Oh mon dieu, anneau hydro, il m'a régène tous mes PV. Effort, vive attaque. Oh, bah t'es encore mort. Anneau hydro m'a tout régène. Ça fait quoi l'anneau hydro? Ça régène des PV en fonction du niveau de celui qui l'a lancé. Donc disons que tu lances ça avec le classe et que tu fais relais derrière, ton ratata il va garder l'anneau hydro, mais avec la régène PV comme si c'était un le classe. Comment c'est abusé, quoi. Bref, je sais pas ce que je fous là, je crois que je parlais à Doku pour lui demander ce que je devais balancer. T'as pas pu couper ça en montage? Oh ouais, c'est moi qui parle. C'est toi qui parle, hein, parce que les trucs à couper au montage, hein. Déjà y'a ta bite pour commencer. Bah je monte pas ma bite devant la caméra, ouais. Tu vois, et pourquoi lui il a un Alakazam? Ça m'énerve ça. Parce que fuck you, la soirée. Parce que lui il a des amis pour échanger. Ah non, moi ce que j'aime bien, ce que j'aime bien. Parce que lui il joue pas sur l'émulateur. Moi ce que j'aime bien, c'est les mecs badass qui disent qu'ils aiment pas leurs Pokémon, pour eux c'est des outils et tout, et qui ont des Pokémon qui évoluent par bonheur. Et ouais. Tu penses à, je crois que s'appelle Silver, un deuxième? Ouais, Silver ou le chef de la team Magma. Le mec te dit je hais les Pokémon, pour moi c'est que des armes, mais il a un ostofer, on sait pas comment il a fait. Là, tu l'as capturé comme ça? Ouais. Lui, je lui ai donné beaucoup de plaisir. C'est dégueulasse, les gars. Ouais. Fouettez-moi, maître! Oh oui, mon petit Nosferapti, prends ça! Attends, si tu me dis ça alors que sur Cooking Mama, j'essaie de vous rétablir à l'ordre. Exactement. Tu me choques, Shuka. C'est dur à dire ça. Tu me choques, Shuka. Waouh. Putain, il fait pas de dégâts ton truc. Surtout qu'il a 120 PV. Non. Bref, on s'amuse bien. Ah, oh, c'est un jeu Pokémon en même temps. Quand même. Parce que son Léviator, il est modeste, la honte. Tu vas voir, je vais recapturer un Magikarp, je vais refaire un Léviator. Eh bah, si tu chopes un Régide, là, je te félicite. Ton machin là, est-ce que ça change en fonction. Enfin, quand il évolue? Non. D'accord. Mon machin. Oui, la nature. Parce que la nature, là. C'est pas le mot. Voilà, et c'est là que je reçois mon low class. Ton nouveau, c'est Slave? Oh, c'est Slave, ouais, c'est ça. Non, c'est Slave. J'ai failli l'appeler que D. D? Oui. Mais finalement, je l'appelle Dryan. Et c'est pour? Bah, j'en sais plus. Dryan again. Dryan is in the kitchen. Je me doutais que c'était Dryan. Dryan, de son rayon à André, Adrien, Désiré, Étienne. Elle est où la Master Ball? Pourquoi t'as pas pris la Master Ball? La Master Ball! Il l'a déjà pris, mais il l'a coupé. Non, je l'ai pas prise. Qu'est-ce que tu fais à la Master Ball? Vite. Il reste quelques secondes, Sylvain. Une ville en Lorraine. Mais reviens en arrière, on s'en fout que sur la fin de l'épisode, la Master Ball! À la prochaine! Mais non, à la prochaine! À la prochaine!